So come in, please. So, whoa. Guys, we need to be quick. Otherwise, you're going to miss something this afternoon. Ouais, peut-être, je sais pas. Après, ouais, comme j'ai dit, c'est sûr que cette année, ça fait rêver par rapport à la concurrence qu'il y a. Donc, c'est ça qui fait que la plupart des coureurs aient de faire des courses où il y a du monde. Donc, c'est ça qui nous amène à une ou à deux courses. Tu dis, ça fait rêver, c'est des Xavier Thévenard, des François Denne, ça te fait aussi rêver alors que toi, tu fais rêver tellement de personnes. Ouais, en fait, c'est. Tu te dis, bon, tu vas en Coupe du monde de ski alpinisme, tu sais qu'il y a 20 personnes qui vont jouer la victoire. Tu vas à Cerzina, tu sais qu'il y a 20 personnes qui vont jouer la victoire. Normalement, tu vas à l'Ultra Trail, tu te dis, on va être deux à jouer la victoire. C'est l'une des seules fois que tu as une ultra et tu te dis, il y a 10 personnes qui vont jouer la victoire. Donc, c'est ça qui connaît de la compétition. C'est la bataille, c'est être dans la concurrence, c'est un jeu, donc c'est ça qui est motivant. Kilian, fins demà a les 8 del matí no sabrem si es fa o no el recorregut original. Ara et tenim aquí, suposant que no es canviï res. Quina serà la teva estratègia, tenint en compte el gran cartell que hi ha, que els americans segurament sortiran a dinamitar la cursa? Tu, quina estratègia seguiràs? Tu que ets un gran estratega dins de la competició i tenint en compte que els americans es poden anar bastant ràpid. Bueno, demà serà una cursa molt d'estratègia i jo crec que la meteo influirà molt. Si es fa el recorregut original, farà bastant mal temps, fred, o se sabrà. Jo crec que la part bona del mal temps és que pots ser menys conservador. Jo pateixo molt la calor i amb mal temps saps que pots fer esforços més grans, sabent que després es recupera millor que no pas quan fa calor, no? Aleshores, serà una miqueta jugar amb això, veure com surt la gent. És difícil fer una estratègia abans perquè després sortir, veure com et sents, si veus que la gent va molt ràpida i que és millor quedar-se una mica endarrere. A mi tampoc m'agrada quedar-me molt endarrere, prefereixo estar sempre una mica de contacte per si és possible, però després és això de no forçar molt durant les primeres hores. Però la meteo jo crec que serà bastant influent per això, perquè a nivell de recuperació muscular amb mal temps és més fàcil. Suposant que hi hagi un pla B, sabeu alguna cosa de com seria el nou recorregut o què pot passar? No, la veritat és que si hi ha un pla B, hi ha hagut altres anys que ha fet mal temps i bueno, jo no porto bambes de córrer per asfalt, no? Però esperem que es faci l'original i si no, si es fa un pla B, que es faci una cursa maca. Hi ha curses més dures, hi ha curses més llargues, però per què l'Ultratall del Montblanc és únic? Bueno, és únic jo crec que perquè va ser la primera a Europa que realment va agafar embranzida, que va començar a portar molta gent. És única perquè és aquí a Chamonix també, que hi ha el Montblanc, és un lloc mític per al món de la muntanya. I després, perquè el nivell sempre ha sigut més o menys alt, que sempre ha tret molts bons corredors i això al final és el que la fa, que és tant per la persona popular, és una cursa molt popular també perquè hi ha molts corredors, no és una cursa elit, però també atreu a molts elits i això és el que fa que sigui atractiva. Tu has vingut aquest any veient el cartell que hi havia o que tenies ganes de tornar, quin ha estat el motiu? Més personal, més de marca? No, de fet, evidentment, serà molt estant contents que vingui, suposo, però va ser personal de dir aquest any tenia ganes de fer poques curses, però curses que realment fossin batalla i quan van canviar els plans d'expedició, doncs tenia el mes d'agost i quines són les curses que hi ha, si al final sempre hi ha un gran nivell i després, doncs, aquest any, veient tota la gent que hi havia anunciat, doncs és això el que fa dir. És maco, no? Estar en curses on hi haurà aquest nivell. I baixar de les 21 hores, no? Si es manté l'escenari? Jo no soc massa de pensar en temps, mai he corregut mirant el rellotge en aquest aspecte, però després si la cursa surt ràpida, jo crec que, evidentment, aquest any, si hi ha condicions bones i això, baixarà bastant, segurament, de les 20 hores, jo crec. Quin és el corredor que veus com a principal competidor teu i en quina motivació vas amb aquesta cursa tenint en compte les condicions meteorològiques, tot i que deies que pateixes més de calor que de fred? La motivació, a veure, vas motivant, però al final és el que fem cada cap de setmana també, és a dir, no és una cosa excepcional, jo crec. Vas, corres perquè t'ho passes bé, perquè és divertit i ja està, no? I de competidors, jo crec que hi haurà molta gent, això és el que és interessant, ja d'Amèrica, Jim Wamsley i Zach Miller, hem de veure
Sortiran, estan entrenant molt, han fet molt desnivell, han fet moltes hores també, o sigui que jo crec que aniran bé. El Tim Tolfenson i el David han fet molt bons resultats i aquí són més conservadors i jo crec que ho poden fer molt bé. D'aquí a França, doncs, el Xavi Tévenard sempre prepara les temporades només mirant aquí i el François Den amb llarga distància. La veritat és que avui en dia jo crec que és el corredor més sòlid, no? I després d'allà hi ha el Miguel Heras i el Tòfol, que jo crec que veient els resultats que han fet aquí i com es preparen, poden estar allà davant segur. On a l'impression de voir évoluer que c'est très facile. Est-ce que l'UTMB, ça reste quand même une course difficile, même pour toi? Bon, je dirais pour un coureur élite, finir l'UTMB, c'est facile, évidemment. Après, c'est difficile de le gagner ou d'aller vite, quoi. Mais on s'entraîne pour que la difficulté, ça soit aller vite. Après, c'est sûr qu'il faut se préparer. Moi, je pense qu'il faut toujours se préparer pour que faire la chose soit facile. Et après, la difficulté, c'est rajouter au niveau, c'est rajouter à la vitesse. Mais bon, finir une course de 5 km, si tu n'as pas de problème, des ampoules, des trucs comme ça, si tu as fait la préparation, ça doit rester une chose pour l'élite facile. Venimos de la fábrica de salmón esta mañana, viendo el proyecto Mesh. Nos han comentado que podrías correr con unas zapatillas sin cordones. Voy a verlo. De hecho, Proyecto Mes son zapatillas que se construyen en el mismo sitio, ¿no? Y es una sola pieza y voy a ver si hace muy mal tiempo, seguramente voy a correr con cordones. Y si hace más bueno, pues sin cordones. Como tantos populares que están ahora mismo mirando arriba a ver la pieza de material que sí, que no, según lo que vaya a caer, lo que no, en tema de chaqueta, de bastones, ¿te puede afectar las condiciones finales de mañana o no? ¿Tú lo tienes sí, claro? Sí, no, al ya? Final yo creo que es importante mirar el material en la salida, que es lo que va a ser importante llevar. Y yo tengo claro, si hace bastante mal los días sí, voy a llevar un Gore-Tex tres capas. Vas a ir cómodo, no vas a ir seco todo el rato y vas a ir caliente, ¿no? Y prefiero estar más cómodo a eso que ganar 100 gramos allí. Es decir, al final mañana mirar la temperatura y coger un material más cálido o menos cálido. Y luego nos comentaban precisamente ahí en el Centro de Desarrollo de Annecy que dentro de toda la gama de corredores de Salomon es curioso que precisamente François y tú sois quizá los dos extremos a la hora de elegir, digamos, ropa más suelta, ropa más ajustada, el llevarlo un poco más corto, un poco más largo. Sí, al final cada corredor pues se siente más a gusto con una cosa y otra, ¿no? Yo creo que no hay una forma de una cosa que sea más performante, sino que es más lo que cada uno se sienta a gusto. Bien, está claro, en Francia eres una personalidad al nivel de los más grandes, en Suiza también, en Italia también, en España posiblemente todavía no tengas este reconocimiento. ¿Algún día llegará? Bueno, la verdad es que tampoco no es importante, ¿no? O sea, tener reconocimiento, al final uno corre, ¿no? Que es una cosa muy estúpida, poner un pie detrás del otro, ¿no? O sea, ¿qué quieres reconocimiento para esto, ¿no? No sirve para nada, es que no hay nada más. No es una motivación especial el poner por lo menos tu deporte al nivel que por esfuerzo y por sacrificio merece. No, al final yo creo que si haces una cosa que le pones sacrificio, le pones esfuerzo, es para sentir unas emociones, para sentir unas cosas que son internas, ¿no? Cuando te vayas a morir, no vas a pensar, vas a pensar qué es lo que he vivido, el resto da igual. Kilian, ¿qué piensas de todo este debate que ha habido con el tema de la ligereza aquí en el Mont Blanc, con la posición del alcalde de Saint-Gervais? Bueno, ha habido estas últimas semanas ha habido bastantes accidentes aquí en la montaña, bastantes gente, corredores que han subido para arriba y también grandes cordadas. También ha habido una cargada de 6 personas que se mataron los 6, ¿no? Es decir, yo creo que es más una cuestión de educación profunda, es decir, la gente que sepa utilizar el material y que sepa las condiciones, ¿no? Ya lo he dicho todo en las redes sociales, si miras en... he publicado vídeos largos explicando todo eso, yo creo que está ahí todo dicho. Si on peut le faire un peu en français, sans parler de la polémique effectivement sur Saint-Gervais, mais tu inspires du monde sur monter au Mont-Blanc en trail. Du coup, qu'est-ce que ça t'évoque? Sachant qu'il y a eu des accidents, mais ça veut dire qu'il faut effectivement faire plus de prévention, c'est un peu ce que tu disais. Mais... Je pense que ce n'est pas faire plus de prévention, mais faire plus d'éducation. Et c'est vrai que ça, on est très mauvais comme pays, tu vois, l'Espagne, la France,
on n'est pas bon. Tu vois, quand tu vas dans les États-Unis ou dans les pays scandinaves, les gens, ils ont plus de conscience des risques qu'il y a en montagne. Aux États-Unis, tout le monde, il sait ce qui se passe si tu vois un ours. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire. En Norvège, tu vois, il y a tout le monde qui fait des coupes de neige avant de faire une randonnée de 300 mètres. Ici, on se laisse porter peut-être trop pour l'inspiration, sans réfléchir à trois côtés. Et on sait que l'alpinisme, c'est une activité qui demande beaucoup d'années d'apprentissage, qui demande beaucoup d'avoir des gens qui t'instruisent, des gens qui t'amènent, donc des guides ou des amis ou des formateurs, pour prendre l'expérience et à la fin y arriver. Donc je pense que c'est un boulot des athlètes de dire que c'est difficile, et pour y arriver, pour faire les choses qu'on fait, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'années derrière. Pour les guides, pour les communes, de former aussi sur cette prévention et sur cette notion. On amène beaucoup trop de monde en montagne aussi. On dit on donne trop d'accès à la montagne. On voit, moi je suis contre l'accès facile aux montagnes d'un côté. Tu vois, s'il faut marcher 20 heures pour arriver au sommet, c'est pas pareil que si tu y accèdes en 2 minutes aussi. Donc il faut faire de la formation, et tu vois ici il y a la Chamonix-Ardes, il y a des acteurs qui font beaucoup de prévention, il faut les mettre en avant, et que sur les écoles, sur les jeunes, ils soient mis en avant. Peut-être aussi qu'on n'a pas assez expliqué que quand tu fais le Mont Blanc ou d'autres, tu le fais dans des conditions bien particulières, tu prends le temps de le faire, tu repères la voie, les conditions, enfin oui, après, tout ce que c'est fait pas un amateur. C'est que les gens y retiennent, c'est l'image, ils ne retiennent pas tout ce qui est expliqué derrière. Tu dis, bon, le Mont Blanc, je l'ai monté plus de 100 fois. La première fois, c'était un alpinisme avec mes parents, après avec des amis, et après léger, mais chaque fois avec du matériel différent, dépendant des conditions. Après, les gens, ils retiennent que le dernier jour, que tu as monté comme ci, comme ça. Donc, après, moi, je vois les Zonol qui grimpe le cap en solo, ça m'inspire, ça me fait rêver. Et j'irai pas de moi au cap, je vais me tuer quoi. Il faut le voir aussi, les capacités chacun. Les formations, ils n'ont prohibit, non ? Non, la prohibition, moi je pense, la prohibition c'est une chose que je crois que est contre-productive et à terme, parce qu'au final, le que fais, c'est no educar. Si dius, has de portar aquest material i amb aquest estaràs segur, no és veritat, perquè depèn de les condicions, potser necessitaràs més. I al final, jo crec que no és la prohibició, sinó la formació des de la consciència i des de petits. Kilian, sorry, do you mind if I ask a question in English? Sure, yeah. Thank you. I'm sorry if you've already answered this. But you obviously know what it takes to win this race. Do you have a plan in mind, and will you stick to that? Or if, given the competition, somebody like Jim shoots off early, will you react to that? I think it's important to don't have a plan. Like, since the year running, I has been learning that the plan never follows, so it's not worth it to make a plan, to a strategy, because afterwards, like, you need to adapt all the time. So I think it's important to listen to your body when you start racing, and to know your strength and the strength of the other racers, and to play with that. So if someone starts strong, feel if you can follow easy or not, or if it's better to stay, or so to, yeah, every moment to listen to reactions and to listen to your body. And will you be happy with anything but first by the end? Like, yeah, like I'm always happy to do a race, and it's always fun, and like a race, it's a stupid thing. It's like it's like when you are kids and you say the first one to the wall wins, and you will run fast, and like 5 minutes after you will be happy anyway. So I think we give too much value on racing, on winning, on these things. Mais si tu reviens cette année, c'est justement parce que tu l'as dit, il y a une grosse densité, et parce que on sait que tu aimes la montagne, mais tu aimes aussi beaucoup la compétition. Est-ce que là, depuis quelques jours, tu as peur de te perdre ? Non, franchement, parce qu'à Neutra, peut-être vous n'êtes pas habitué, mais en ski alpinisme, tous les week-ends, il y a ce niveau-là. On est habitué à cette pression, à Sierre-Zinal. Quand tu vois les temps, les gars qui courent à 2h08 de marathon, putain, tu dis, ça va aller vite. Donc on est habitué, je pense. Et on perd des courses, hein. Tu vois mon calendrier d'hiver. Mais là, regarde, t'es attendu plus que jamais. Ouais, mais ça, c'est pas important. Ça, ça, c'est juste de... Ça va changer quoi, l'émotion à la fin, donc, c'est ça qui...
qu'il faut prendre en perspective que c'est que c'est quoi qu'on court. On court pour ce qu'on attend nous à nous-mêmes ou on court pour ce qui attend les autres. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser cette question et savoir pourquoi on court. T'as assez peu été opposé à François sur une course. Est-ce que ça va être un duel central selon toi dans le scénario demain? Ah, François, il va être très fort, ça c'est sûr. Hein. On l'a vu sur les dernières années, sur la longue distance, il est toujours là, il gère très bien ses courses. Et c'est vrai que depuis 2011-2012, on avait beaucoup couru en Australie, ici en France, à la Diagonale aussi, mais depuis là, on n'a pas couru. Après, oui, lui, il se centrait beaucoup sur les longues distances. Moi, je n'y fais pas beaucoup. Donc, mais ouais, c'est. Bon, j'adore le voir courir. Et c'est cool de faire avec. Et compte tenu des conditions, est-ce que tu penses que tes perspectives ont changé? Est-ce que la concurrence va être un peu différente? Qui c'est qui va être fort dans des conditions difficiles comme demain, tu penses? Non, je pense que l'élite, ils sont habitués à tout. C'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, tous les coureurs qui s'entraînent. On s'entraîne tous entre 800 et 1300 heures par année. Donc, ça veut dire tous les jours beaucoup d'heures. Donc, il fait beau, il fait mauvais, on est tous adaptés à tout type de conditions. C'est la dernière question. Kilian, ara que fa 3 mesos del teu Everest, com ho veus en perspectiva? Que va ser una bona experiència, que vaig aprendre molt. I el mateix que abans, jo crec que al final és l'aprenentissatge de la manera d'aclimatar i de la manera de fer una expedició. Tornaràs? Vull tornar a fer muntanya alta, no sé on, no sé quan, no sé quin objectiu precís, però anar a muntanya alta sí. Merci. Merci. Les athlètes vont défiler, ceux qui ont réservé pour les autres.